Merci beaucoup Didier, bonjour à, à toutes et à tous. Alors, bah, je l'ai déjà fait vendredi, mais je réitère vraiment mes, 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 euh, mes remerciements les plus sincères hein, auprès de, de l'Institut d'études anciennes et, et médiévales de l'Université de Laval. Je suis très, très honoré vraiment de, de cette, euh, cette invitation qui m'est faite euh, à vous présenter ces recherches et je suis vraiment très, très heureux de, de cet accueil vraiment chaleureux que vous m'avez fait euh, euh, dès la fin de la semaine dernière. Donc, euh, euh, je commence tout d'abord par de, de très, très grands. Euh, Remerciements et puis bien sûr une nouvelle fois un grand merci à Didier Méhu hein, qui est l'instigateur de, de tout ça. Alors effectivement je vais vous parler aujourd'hui, on va aborder la question, une question un peu épineuse, euh, la question des territoires, une question qui est quand même assez épineuse pour l'historien comme pour l'archéologue et vous allez voir qu'elle l'est encore plus euh, lorsqu'on s'aventure dans ces eaux troubles que tu as évoquées, c'est-à-dire de, de la transition entre l'Antiquité et euh, le, le Moyen Âge. Euh, encore plus euh, épineux ici, euh, nous allons tenter d'appréhender la réalité physique d'un territoire qui est en mutation dans cette euh, phase de transition, autrement dit un territoire qui, de l'ancienne euh, cité, l'ancienne Kiwitas antique, est devenu dans un Moyen Âge abouti, ce que l'on va appeler le, le diocèse, et avec entre-temps, durant l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, euh, une, une entité qui est au contour assez mal défini et que l'on associe davantage euh, à l'activité ou au réseau de, de connaissances d'un des personnages qui devient l'un des plus importants de la cité, qui est, euh, est l'évêque. Alors, euh, cette question-là, euh, c'est une question qui a été largement abordée dans, dans l'historiographie à travers le prisme de, de l'émergence des paroisses. Euh, un sujet dont se sont emparés assez tôt, alors je dis assez tôt, c'est dans la deuxième moitié des années 80, les historiens et, euh, et, et les archéologues à la faveur de la multiplication d'églises urbaines, enfin de découvertes d'églises urbaines ou suburbaines ou rurales. Je vous ai mis ici juste un, un panel extrêmement euh, réduit hein, des, euh, des, des publications euh, qui, ont, qui ont attrait à ces, ces, ces questions-là, mais depuis... Vraiment, à la fin des années 80, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de publications, soit monographiques, soit des actes de, de, de colloques, qui ont tenté de, de percer et de comprendre euh, ce phénomène qui participe à la, à la, à la, à la jeunesse des, des territoires médiévaux. Alors le constat qui en résulte aujourd'hui à l'issue de, de toutes ces études fait état de situations relativement différentes d'un territoire à l'autre. Par exemple, dans le sud de la Gaule et dans le sud-est de la Gaule, on a des territoires qui, à partir de la fin de l'Antiquité et durant tout le Haut Moyen Âge, vont connaître des recompositions assez, assez, assez fréquentes et assez mouvementées. Tout ça vraiment à la faveur aussi hein, d'un jeu politique assez, assez soutenu dans le, dans le sud de la Gaule. Et à côté de ça, des territoires pour lesquels, on va dire que la matrice d'origine... La matrice territoriale de l'époque de, de, de romaine va finalement assez peu bouger. C'est d'ailleurs d'un de ces territoires dont je vais, vous, je vais vous parler ici. Donc, un constat qui fait état de situations vraiment différentes selon que l'on se situe dans le territoire des, des, des Gaules, mais des situations qui toutefois convergent aux abords de l'an 1000, mais surtout à l'issue de la réforme grégorienne, vers la création de cette paroisse médiévale qu'on connaît bien et qui va pour partie fossiliser l'organisation des territoires durant de, de longs siècles. Donc finalement, pour le, pour le Haut Moyen Âge, le territoire du diocèse et la création de ses subdivisions, donc les, les paroisses, s'est euh, donc forgé euh, en fonction du maillage antique urbain existant, mais aussi en fonction de la densité des fondations privées, comprenez par là des fondations aristocratiques dans les villas ou on va le voir dans les, dans les sites de hauteur, et dans le cadre d'un réseau de, de puissants au sommet duquel, comme je disais tout à l'heure, se situait entre autres euh, l'évêque. Donc cette question du, du territoire du, du diocèse Moyen -Âge et à for, enfin, du haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge et a fortiori du haut Moyen-Âge, elle est donc davantage perçue aujourd'hui comme euh, en fonction d'un système de, de, de réseau de relations et de possession plus que comme une entité géographique, une entité physique clairement, euh, clairement définie, avec ses, ses limites propres. Et donc cette question euh, finalement que je vais aborder de la territorialisation physique euh, du diocèse, euh, elle est euh, davantage considérée au moment finalement de son aboutissement. Donc comprenez par là au XIe ou au XIIe siècle. Mais pourtant, euh, dans certains cas, à la lumière de découvertes archéologiques, euh, bien sûr examinées à l'aune de, la, de la documentation textuelle, il va être possible, vous allez le voir, on en discutera, hein, euh, de s'interroger sur l'existence le, de tentatives de délimitation du territoire au travers de l'implantation d'églises dans des secteurs géographiques stratégiques. On a plus ou moins abordé cette question-là avec la, le, le site de la couronne que l'on a vu vendredi. Pour ceux qui étaient là, j'y reviendrai euh, euh, légèrement. Donc dans des, sites, dans des sites stratégiques, et puis pour illustrer cette, cette hypothèse, en tout cas ces, ces réflexions de, de, de travail, je vais vous proposer ben, un territoire que je connais bien, qui est l'un des plus grand diocèse de, de Gaulle centrale, qui correspond à l'ancienne cité de Clermont, ou l'ancienne cité arverne, euh, qui correspond à l'Auvergne euh, historique. Alors juste pour, euh, bah déjà pour vous replacer cette, euh, cette Auvergne, hein, on est en plein cœur de, du, du massif central, donc on est quasiment au centre des, des, euh, des Gaules, euh, un territoire qui est assez stratégique, en fait, dès le Haut-Empire, hein, et c'est pour ça que son chef lieu de cité, euh, ici Augusto Nemethum, est largement valorisé par... Euh, par l'empereur, et ce dès le 1er siècle. Parce que quand on voit cette carte, on voit bien qu'on est vraiment sur un carrefour routier. Si on ajoute à ça le fait qu'on est sur un, un, cet, au centre de ce massif central, on est sur un lieu éminemment stratégique, qui est un relais en fait pour la capitale des Trois Gaules, qui est Lyon, Lugdunum, pour un accès à l'Atlantique et même au, au, au sud-ouest. Donc, déjà un territoire qui, dans l'Empire romain, dans les, dans les Gaules, a un rôle, un rôle qui est stratégique. Alors cette, cette Auvergne, elle est, elle, est, elle est relativement riche, elle a une grande, une grande capitale qui s'appelle bon, Clermont-Ferrand aujourd'hui, Augusto Nemetum, euh, elle a un réseau routier, ça j'insiste beaucoup sur la question du réseau routier parce que vous allez voir qu'évidemment il va être mis à profit aussi par les, euh, les premiers évêques, en tout cas par les, par les premiers bâtisseurs d'église, si je puis dire, dans cette construction d'un nouveau territoire dont je voudrais vous parler et euh, un territoire qui, dès le Haut-Empire, euh, est assez densément peuplé. Vous avez, vous avez une carte d'état des lieux de 2002, donc euh, depuis, pour les le hauts Empire, on, on a fait beaucoup plus de découvertes, mais un habitat relativement dense, mais qui est essentiellement, alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien, hein, c'est dégradé de, de, de couleur, en tout cas de, de gris, un habitat qui est essentiellement concentré dans les plaines, et notamment dans cette, cette plaine fertile ici, qui est le bassin de l'Allier, que l'on appelle la, euh, la Limagne. Mais un territoire qui, malgré les, les troubles que vous, que vous connaissez bien de la fin de l'Antiquité, de la fin de l'Empire romain, et on va dire du début du, du Haut Moyen-Âge, un territoire qui reste encore assez riche. Alors, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais j'ai pris une, une description de Sidoine Apollinaire, qui est un haut magistrat et qui a été évêque de Clermont dans les années 470, donc qui est un poète également, qui est un auteur bien sûr, et qui a tendance à magnifier un petit peu sa patrie, mais ça on lui. Je le fais tout le temps moi aussi. Hein, donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc qui, qui vante hein, la, la richesse encore de cette, de cette limagne, euh, euh, qui euh, tire profit de sa géographie particulière, donc cette, cette grande plaine euh, alluviale, mais qui tire profit également, ça on l'a un tout petit peu vu ensemble aussi, euh, de ses nombreuses hauteurs et de ses, euh, ses piémonts. Donc, euh, et on le verra, les souverains après mérovingiens ont aussi euh, beaucoup euh, compté hein, sur, euh, sur l'Auvergne, notamment pour son, son potentiel agricole et puis pour son potentiel stratégique. Je remets les cartes que j'avais mis en guise d'introduction euh, vendredi, mais c'est parce que j'aime bien un petit peu enfoncer le, enfoncer le clou. Euh, un territoire qui, au-delà de toutes ses richesses, est aussi un territoire stratégique à partir de la deuxième moitié du Vème siècle puisqu'il se situe vraiment dans une zone de frontières. Et là, de frontières politiques. <coughs> ici, entre le royaume euh, romano-visigothique et le royaume burgonde. Et puis, une autre carte que j'avais montrée, je ne suis pas sûr que ce soit exactement celle-là, mais ça en était une autre, euh, un, un secteur stratégique pour les Francs, pour les premiers Mérovingiens, puisqu'on est au contact direct ici avec les possessions et le cœur de la Burgondie. Et puis, c'est la porte également ouverte au Midi, c'est-à-dire la partie méridionale de cette, cette entité qui est en bleu ici, que l'on va appeler le royaume d'Austrasie euh, mérovingien. Donc voilà, une zone euh, qui est quand même, euh, je, je le rappelle, éminemment euh, euh, stratégique. Alors, pour euh, rentrer un petit peu dans le, dans le cœur du sujet, euh, comme un peu partout, en fait, le premier réseau d'églises dans cette cité, et là, la cité de Clermont dérange pas à la règle, il va partir du noyau euh, de, central, c'est-à-dire il, il va partir du chef-lieu, chef-lieu de chef lieu de cité romaine, qui va être le siège de la maior ecclesia, ce qu'on appellera un peu plus tard dans le Moyen Âge la cathédrale, d'accord euh, Donc c'est à partir de là que les euh, que le, 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 que le, le, le la christianisation, j'essaye de ne pas le dire, mais, <laughs> mais je le dis quand même, va se, va se mettre en place avec la création, la construction ici à l'intérieur de ce tout petit réduit en, en orange qui correspond au castrum, c'est-à-dire la fortification de l'Antiquité tardive du, de, de Clermont, à l'intérieur de laquelle va prendre place juste à côté d'une des entrées la, euh, la maior Ecclesia. Donc euh, une un christianisme donc qui s'implante dans la cité à l'affaire de cette cathédrale et très tôt aussi à partir de ce qu'on qu trouve dans les textes sous les noms de loca Sancta, c'est-à-dire les lieux saints, donc les premières basiliques des martyrs, mais surtout des saints évêques qui vont générer après la création d'églises. Alors juste, je, je vais en parler un petit peu, un petit peu, de ces, euh, mais très rapidement parce que ce n'est pas le, le sujet, euh, mais, euh, enfin le cœur du sujet, mais juste avant de revenir sur la question de... Du, du chef-lieu de cité. Juste un petit point euh, sur lequel je reviendrai en conclusion qui peut paraître intrigant. Euh, le premier évêque, le premier évêque. Euh, alors est-ce qu'il a existé Est-ce qu'il n'a pas existé C'est comme souvent, on n'en sait rien. On va faire confiance à Grégoire de Tours. Le premier évêque, Saint Ostremoine. Assez curieusement, lui, il n'est pas inhumé justement euh, aux abords de, de, la, du, de la cité euh, épiscopale. Il est inhumé totalement à l'écart, ici à Issoire. Euh, sur un, sur, dans un lieu où il ne se passe pas grand-chose dans l'Antiquité, on n'est même pas sûr qu'il y ait une agglomération, mais dans un lieu qui se situe à mi-chemin entre la capitale et un autre lieu très important de pèlerinage que l'on va voir ensemble, qui s'appelle Briou. Vous allez voir, ce qui est assez curieux, c'est qu'au VIe siècle, on va réinventer ce, ce corps de Saint-Austremoine puisque nous dit-on, en fait, on l'avait oublié, on savait qu'il était là, soi-disant, mais euh, personne s'en euh, intéressait véritablement. Mais vous allez voir, il y a quelque chose, notamment par rapport à la route, par rapport à un réseau, euh, qui, euh, est amené à, à, sur lequel on est peut-être amené à s'interroger. Alors, je reviens sur la question de la, de la cité épiscopale, clairement. Euh, alors, on a, on a de la chance en Auvergne, euh, et ce n'est pas le cas partout, c'est qu'on a quand même pas mal de sources qui nous évoque l'implantation de ces premiers édifices. Alors on a bien sûr toutes les œuvres de Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, c'est un Auvergnat. Bon, il est nommé à Tours, certes, mais il aime bien, enfin, il s'étend beaucoup sur, sur l'Auvergne. Donc aussi bien dans les, histoires, enfin, les dix livres d'histoire que dans la, la, les, les livres au Gouard des Martyrs, euh, il évoque des, euh, des, des basiliques et des églises de, de Clermont. On a deux textes aussi qui sont extrêmement euh, importants et dont la tradition manuscrite est est assez, euh, assez solide euh, pour des, une datation dans, la, dans, la, dans, le, dans le courant du, du 8e siècle, c'est les, les vies de deux évêques, Bonnet et, euh, et Prégé, ou Priest, Praiectus en, en latin, et un texte un petit peu plus tardif du 10e siècle, euh, le Libellus de Ecclesis Claromontanis, qui est euh, très intéressant, puisque c'est un inventaire des édifices religieux de Clermont euh, aux abords de, de, de l'an 1000. Qui évoque un système de procession en fait, hein, au, sein de, au sein de Clermont, mais à partir duquel on peut de manière rétroactive essayer de, de, de comprendre ce qui se passe à Clermont dans les premiers temps, euh, enfin, au début du Moyen Âge. Beaucoup de textes, donc ça c'est une chance, mais malheureusement très peu de données euh, de données archéologiques. Très peu de données archéologiques euh, pour la cathédrale. Il y a quelques il y a des études qui ont été faites, mais évidemment, cette cathédrale, elle a été reprise et reprise et reprise, hein, en dernier lieu par Viollet-le-Duc, encore au XIXe siècle. Donc serait fossilisée dans la crypte une partie de l'église primitive, avec toutes les incertitudes que l'on peut avoir, et pas grand-chose malgré tout à se mettre sous la dent. Ce que l'on connaît un tout petit peu plus du point de vue archéologique, c'est ces basiliques ici qui vont, euh, vont euh, s'implanter euh, dans ce que Grégoire de Tours. Donc je reviens, pardon. Dans ce, cette partie-là, ici, dans ce que Grégoire de Tours va nommer le Vicus Christianorum. Vicus Christianorum, donc le, on traduit ça comme faubourg des chrétiens, euh, quartier des, des chrétiens. Là, on pointe du doigt la difficulté en fait, de traduction de ce terme, hein, vicus. Donc le Vicus Christianorum, donc on comprend que c'est un regroupement de, 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 des chrétiens et c'est là où on a ces basiliques qu'il nous décrit. Euh, on en a une petite, euh, une petite dizaine avec la toute première hein, du, euh, du deuxième évêque de Clermont, euh, Ilidius, donc c'est Saint Alyre, qui se fait inhumer dans une crypta et euh, avec un processus que vous connaissez, je pense certainement, on inhume dans une nécropole antique traditionnelle, cela génère des dévotions euh, autour du mausolée de l'évêque en question et puis après tout ça va générer la, la construction d'une basilique. Ça, euh, c'est des aspects théoriques qu'on connaît euh, relativement bien et qu'on peut transposer à quasiment toutes nos basiliques de Clermont. Mais si on veut vraiment regarder, euh, se baser sur des données archéologiques, ben, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et quand on a, généralement, c'est pour des fouilles, c'est enfin, de la documentation euh, euh, liée à des fouilles relativement anciennes, comme par ici, comme ici, pardon, la, la crypta de l'évêque Vénérandus, euh, euh, qui, qui, qui est mort vers 423. Où c'est une fouille du, de la première moitié du 19e siècle, j'ai plus la date exactement en tête, où on aurait retrouvé en fait cette, ce tombeau, si vous voulez, cette memoria euh, qui euh, d'ailleurs a abrité bah, son tombeau et puis qui a attiré euh, euh, dans le cadre de cette, euh, ce phénomène qu'on appelle l'inhumation ad sanctos des, euh, des inhumations euh, d'aristocrates en, en, en majeure partie et avec ces, euh, ces, ces très très beaux sarcophages ici. Euh, à l'iconographie largement, largement chrétienne, et une crypte qui a ensuite donné lieu à une basilique dont on ne connaît rien, puisqu'elle a été retransformée re dans le courant du, du, du Moyen Âge. Donc, euh, cette, euh, ce, ces premiers édifices hein, qu'on arrive à l'échelle de la cité de Clermont, on arrive à les, à les suivre. Alors, bien sûr, euh, moyennant un effet de source, hein, plus on remonte dans le temps et moins on a d'occurrences. Euh, mais on voit que dans un premier temps, sur ces cartes, alors je ne sais pas si elles sont très très bien visibles, qu'on a une grosse concentration évidemment de lieux de culte dans Clermont et autour de Clermont, et que les premiers euh, édifices se promènent soit sous les sur les marges ou soit le long des routes. Et puis ce semi d'église, il va tendre à s'étoffer au VIe et au VIIe siècle. Mais j'insiste une nouvelle fois sur l'effet aussi de source. On a plus de facilité à reconnaître euh, par un certain nombre d'indices des églises du 7e siècle que euh, pour reconnaître des églises euh, précoces du 5e, voire du début du euh, 6e siècle. Alors, cette, euh, ce premier semi d'église, évidemment, il se, il se développe euh, à partir de la, de la métropole, donc euh, Clermont, mais il va bien sûr se déployer sur tout le territoire. Et euh, là, les données archéologiques sont, euh, restent, euh, à mon sens, encore lacunaires, mais vous l'avez vu avec certains l'exemple que l'on a vu vendredi dernier, pour ceux qui étaient là, euh, à la, au gré de, de fouilles, euh, on arrive quand même à, de plus en plus à, à affiner notre, notre, notre compréhension de, de l'origine en fait, de ce, ce premier semi d'église. Et on a un certain nombre d'occurrences de, de fouilles qui, quand même, nous donnent des, euh, des billes assez intéressantes, et notamment pour ce que je veux vous raconter aujourd'hui. Il y a un cas que je voudrais évoquer qui se situe euh, ici. Donc, on... oh flirte avec les marges hein, quand même du territoire. On est sur le long d'une route qui est importante euh, dans les marges d'un massif qui va être ce, ce qui va être les hauteurs du Velay, au, au, aujourd'hui la, la Haute Loire. Cette localité c'est Brioude. Brioude vous en avez peut-être entendu parler ou pas, euh, mais qui est euh, qui est connue pour avoir abrité un, un pèlerinage extrêmement important dans l'occident du, du très haut Moyen Âge, même du Moyen Âge de manière euh, générale, puisque c'est ici que nous dit-on, durant les persécutions de Dioclétien, donc au dé tout début du IVe siècle, aurait été inhumé Saint Julien, Saint Julien qui était un, un militaire, qui était compagnon de Ferréol, qui lui a été martyrisé à Vienne, pas très loin d'ici. Donc Saint Julien qui serait, qui serait venu, euh, enfin, qui aurait été martyrisé ici, dans cette, euh, à cet emplacement, euh, un peu curieux puisque les données archéologiques pour le Haut Empire nous disent qu'il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Grégoire de Tours, lui, parce que c'est Grégoire de Tours hein, qui nous renseigne le plus sur cette, cet épisode-là. Grégoire de Tours, il nous dit qu'avant il y avait un temple païen et que euh, qu aurait, à, auquel se serait substitué cette, cette dévotion à Saint-Julien. Mais là, on est dans le topos à géographique hein, euh, euh, qui fait écho à notamment à la vie de saint Martin. Saint Martin, l'un des premiers, enfin, le premier, l'évangélisateur euh, des Gaules, qui aurait détruit euh, je ne sais combien de temples sur son passage pour y construire des églises. On sait aujourd'hui que c'est, euh, sinon totalement faux, du moins largement euh, exagéré. Donc on est un petit peu dans ce topos-là. Et du point de vue archéologique, en fait, pour le Haut-Empire, on n'a pas d'attestation vraiment d'agglomération, de petite ville dans ce secteur-là. Donc qu'est-ce que vient, euh, pourquoi euh, déjà Julien est martyrisé ici bon, Vous me direz, il n'a pas eu le choix de son, de son martyr. Mais surtout, bon, vous allez voir les, les aspects évidemment stratégiques derrière, euh, derrière tout ça. C'est à cet endroit-là euh, qu'une un, qu mémoria, donc un petit mausolée, euh, martyrium même on peut dire, hein, va, être, euh, va être construit, qui a été retrouvé pour partie euh, en fouille sous l'actuelle basilique, une très belle basilique romane, à l'occasion, si, si vous passez dans le coin, ça fait une jolie visite. Euh, qui a été pour partie retrouvé, donc qui est daté de la fin du IVe siècle, voire du début du Ve siècle, et qui aurait été euh, agrandi largement à la fin du Ve siècle par un duc, d'ailleurs, qu'on connaît, le duc Victorius, euh, qui, aurait, qui lui aurait donné des, des colonnes, selon Grégoire de Tours, enfin, en tout cas qui aurait bâti une, une église, qui ensuite aurait généré un pèlerinage. Hein, vous savez, la machine s'emballe après, et puis c'est un, un centre de pèlerinage religieux, et même un centre. Économique, finalement, au bout d'un moment important, qui va se, qui va se développer dans ce, dans ce secteur, où à nouveau, avant, visiblement, il ne se passait pas grand-chose, quand même. Euh, pour preuve de l'importance euh, de cette, euh, cette localité, donc sur, ces, sur cette voie et sur ces, ces marges, euh, un baptistère également y a été construit. On en a discuté la dernière fois de cette question des baptistères. Au VIe siècle, ce n'est pas n'importe quelle localité qui, dispose, qui a le droit de dispenser ce, 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 ce sacrement. Et euh, Brioude a un baptistère relativement monumental qui a fait l'objet de fouilles dans les années euh, en, en, en 2006. Donc, un, un, un gros centre qui n'est finalement presque, presque de rien. Alors, oui, ce que je n'ai pas précisé, on va le voir, on va voir le rôle important des, des évêques dans le cadre de ces, ces fondations. Euh, dans le cadre de Brioude, on a du mal un petit peu à mesurer quel était le, le, le rôle de l'évêque, si tant est qu'il en ait eu, eu un. Mais pour d'autres fondations, on va voir que là, les évêques donc de Clermont vont avoir un rôle important. On va même euh, utiliser le terme d'évêques bâtisseurs hein, pour, pour certains, ceux qui ont été, euh, qui ont, qui ont été certaines localités d'églises. Et pour illustrer cette question, bah, je vais revenir sur ma marotte euh, que, que vous connaissez à présent, c'est-à-dire ces, ces sites fortifiés de hauteur sur les, sur les, sur les marges. Et de ce point de vue-là, il y en a un que je voudrais évoquer en particulier. Alors, ce n'est pas la Couronne, ça on l'a vu la dernière fois, mais c'en est un autre sur lequel j'ai commencé à lancer un, un, un programme de recherche. Vous allez voir le, la Couronne il y a 15 ans, euh, pour, pour différentes raisons. Cette localité, donc, elle se situe ici, donc sur cette fameuse ligne hein, qui, euh, qui fait les marges du, du Livre à Forêts, donc la limite vraiment de... Ce qui est le royaume romano-visigothique au départ et le, le royaume euh, burgonde. Ici, on a des textes. La couronne, vous avez vu, on n'avait pas de texte. Là, on a un texte, euh, d'un Grégoire de Tours, qui nous mentionne deux épisodes, deux épisodes qui me paraissent importants. Avant 530, on sait qu'un homme pieux. Alors, quand on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, généralement, on parle de. C'est un, un paysan ou un homme pieux qui intervient dans ces dans fondations ou dans ces. Il aurait rapporté d'Autun de, 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 trois pierres qui étaient tachées du sang de, de Saint-Symphorien d'Autun, qui est quand même pas n'importe qui, puis il les ramène à Thiers. Il les ramène à Thiers, on sait qu'il les dépose dans, une, dans un reliquaire sous l'autel dans l'église du Castrum, Castrum Tigernum. Donc ça déjà c'est intéressant pour nous parce qu'on sait qu'il y a un Castrum Tigernum ici, puis qui, qui possède surtout des reliques qui sont pas n'importe lesquelles. Euh, L'église le, 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 en question, euh, en 530, euh, Thierry Ier, le fils de Clovis, euh, vient mater la rébellion de ces euh, euh, auver rebelles auvergnats ici, qui décidément ne veulent pas se, se soumettre à la tutelle franque. Euh, bien avant, ils ne voulaient pas se soumettre à la tutelle visigothique, et après, ils n'ont pas voulu se soumettre à tutelle franque. Les auvergnats sont retorts, ça n'a pas changé. Euh, donc, euh, donc Thierry, il vient, il y a une, une, une expédition en, en Auvergne, il y a vers 530, il prend plusieurs, euh, plusieurs castrats, et notamment celui de Thiers, euh, il détruit l'église, il détruit à peu près tout, et évidemment les reliques, elles, survivent, euh, comme, euh, comme par miracle, comme, euh, comme souvent. Donc Saint-Symphorien, une église, bon en bois, bon, peu importe, euh, dans ce castrum Tegernum. Une quarantaine plus tard, un autre épisode... Euh, narré par Grégoire de Tours, on est dans les années 575-580. 575, 575 580. Alors là, c'est un, un paysan, à nouveau, hein, euh, qui, euh, dont le, le, les, les bœufs tombent sur. Enfin, euh, 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 Trébuche, pardon, je vais y arriver, sur une pierre. Pierre qui savait être, être la tombe d'un dénommé Genet, qui serait un saint local de Thiers. Donc ni une ni deux, on tombe sur une tombe, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait l'évêque à vie de premier bah, il va construire une église, il va construire une basilique. Alors, et ce qui est intéressant, c'est Grégoire de Tours, il nous dit que cet édifice, il est Inuius Urbis Arverna Territorio, euh, donc euh, qui est dans, le, dans ce territoire arverne, et que cette église, elle n'est pas dans le Castrum, Tigernum, elle est pas loin, elle est à côté. D'accord euh, Donc à l'extérieur du site fortifié. Donc on découvre ce, ce genet local, donc c'est bien, ça fait plaisir à la population locale, mais on sent qu'à Vitus, il se dit que ça... A ça n'a peut-être pas vraiment marché. Alors ce qu'il fait, c'est que, bon, notre saint local, il s'appelle Genet, et bien, tant qu'à faire, on va faire venir aussi des reliques d'un autre Genet, mais qui, celui-ci, est quand même un, un petit peu, un peu plus une pop star à ce moment-là, un peu comme Saint-Symphorien, un peu avant. Euh, c'est Genet d'Arles. On fait venir les reliques de Genet, Genet d'Arles, comme ça, à Vitus, il s'assure vraiment euh, la, la solidité, en fait, de sa, de sa fondation. Vous voyez ici l'aspect euh, un, peu, un peu stratégique. Alors, ce, ce, cette église saint elle est sous l'église de la ville haute actuelle. Il n'y a pas trop trop de, de problèmes avec ça. On a des sarcophages mérovingiens qui ont été trouvés autour, et euh, la, la toute première église del Castrum avait été localisée en bas, dans la ville basse, pendant longtemps par mes prédécesseurs, euh, puisque euh, un monastère au XIe siècle ici possède les reliques de Saint-Symphorien. -Sain Partant du principe que les reliques n'ont pas bougé, le monastère se serait implanté dans le castrum. Euh, donc en partie basse, ici, où se situait le, le monastère, ce qui posait quand même un certain nombre de problèmes. Bon, on a vu ensemble hein, que les, ces, sites, ces sites fortifiés, ben, ils sont plutôt sur les hauteurs, quand même, ça marche mieux, euh, parce que notre, notre moutier, ici en bas, on peut le canarder de tous les côtés, il y a des hauteurs dans tous les sens, c'est un peu compliqué. Et donc moi, c'est ce qui m'avait un petit peu embêté dans le cadre de mes travaux de thèse à l'époque. Donc euh, j'avais repris un petit peu le dossier documentaire, et je vous passe les détails, mais on pourra en discuter après coup, si, si, si cela vous intrigue. Euh, J'ai proposé une autre, une autre hypothèse en fait, de, de localisation de ce, de ce site, complètement à l'écart euh, de la ville actuelle, un petit peu plus en amont de la rivière, dans ce, sur cette hauteur-là, en fait, qui, qui est ici. Donc, ça, c'était sur la base de prospection, sur la base de différents, de différents types d'indices. Et, euh, et ben, il s'avère que l'hypothèse semble juste, puisqu'on a fait des, des sondages cette année qui nous ont permis de retrouver l'enceinte. Euh, du castrum en question, une enceinte qui est extrêmement bien conservée, hein, puisqu'elle est conservée sur, euh, sur 3-4 mètres de hauteur par endroit, mmh. que l'on a pu dater de l'Antiquité tardive et du haut euh, Moyen-Âge. Mais euh, là, je rentre pas dans le détail, mais pour un site euh, qui fait à peu près un hectare. Donc un castrum qui est un petit peu plus grand que celui de la Couronne, mais qui n'accueille ni une ville, encore moins un village. Là aussi, c'est un petit peu, c'est euh, tout petit. Je vous montre juste quelques, quelques photos de vacances hein, de, nos, de nos sondages du mois d'avril dernier. C'est l'occasion aussi pour moi d'illustrer, bah, peut-être un peu plus pour les étudiants, mais pas uniquement, hein, de, de quoi on est parti à la couronne. Vous avez vu quasiment tout dégagé avec au bout de, de 13 ans de fouilles. Là, on est dans les prémices de, 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 de ce genre d'opération que vous avez, vous avez vu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs petits sondages. L'objectif, c'était de, de, de vérifier cette hypothèse, là, en question, euh, d'asseoir la, la, la chronologie et puis ensuite de, de réfléchir. Donc, bon, là, c'est juste pour vous dire ce que vous avez sous les yeux. Donc, là, c'est la courtine sud. On a même trouvé la porte, une des portes d'entrée, ici, de, de la fortification. On a retrouvé une stratigraphie sur, enfin, de démolition sur plus de 2 mètres. Un mur, ici, à l'arrière, qui est là, qui témoigne d'un énorme bâtiment qui se développe ici. Est-ce que c'est l'église à côté de la porte Peut-être. Et surtout, euh, on a eu beaucoup de chance parce que dans ces sondages, je vous passe les détails, mais on a retrouvé euh, de, la, de la céramique euh, à, à profusion. Quand je dis à profusion, c'est à peu près euh, 700, 700 tessons sur deux petits sondages, ça fait quand même beaucoup. Et l'essentiel de cette tessons de céramique nous amène vers le 5e, 6e et 7e siècle, et avec des, des productions qu'on retrouve dans des contextes élitaires, comme celui de la couronne, avec notamment bah, des, des, et puis des, des importations. Ici, vous avez des, une, un fragment d'amphore africaine, on en a quelques-unes à, à la couronne, et ce qu'on retrouve sur les sites aristocratiques de cette, de cette période. Voilà, là, c'est l'enceinte ouest donc, qui, est, qui a été retrouvée, et donc toute la céramique au niveau d'un des, des sondages. Et puis on s'est essayé à une petite datation aussi euh, radiocarbone sur un, sur, un, sur un ossement qui était piégé dans le niveau inférieur ici. Alors ça vaut ce que ça vaut, on n'en a qu'une seule, mais qui nous amène euh, entre euh, au plus tard, au début du 5 e siècle. Donc, vous voyez, on a ce castrum tigernum qui est mentionné au début du VIe siècle, mais qui trouve son, ses origines bah, probablement dans ce réseau de forteresses que l'on a vu ensemble euh, la dernière fois, dans le début du Ve euh, siècle. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que ces résultats de ces sondages pourraient paraître un petit peu euh, hors sujet par rapport à ce que, ce que je raconte ici, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que ça offre de premières pistes de réflexion. Déjà, ce castrum tigernum. Euh, mes collègues, qui euh, ne sont pas tous mes collègues d'ailleurs, mais euh, spécialistes de l'époque romaine, euh, ont toujours écrit qu'à Thiers, il y avait une petite ville durant le Haut Empire. Pourquoi Parce que Grégoire de Tours mentionne un castrum, un castrum. Donc si Grégoire de Tours dit qu'il y a une petite agglomération ici, ça veut dire qu'une petite agglomération, ça ne sort, ça sort pas, euh, pas pour mes collègues, ça ne peut pas sortir comme ça à l'époque mérovingienne. Bah si pourtant. Euh, ce castrum tigernum, euh, finalement, on démontre que c'est un petit établissement fortifié de 9000 mètres 2 Ce n'est pas grand chose, je dis, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une, 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 non plus un, un village. Donc on serait plutôt dans quelque chose, peut-être de privé, à vérifier évidemment, comme on a à la couronne. D'accord euh, Avec la fondation David, premier, celle de Saint-Genet, la deuxième, avec le, notre paysan qui bute sur le, le, le tombeau de Saint-Genet. L'église qui est dédiée à Saint-Symphorien, probablement ici dans ce, ce castrum, est probablement déclassée au profit de cette nouvelle église, Saint-Genet, qui est sur un promontoire qui est quand même plus accessible, plus facile d'accès. Et donc, c'est à partir de Saint-Genet, probablement, que va se créer la ville actuelle de Thiers. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on n'a pas de substrat antique véritablement ici, mais c'est que c'est les Mérovingiens, par l'intermédiaire d'un évêque, qui viennent créer euh, une, une église. Dans un endroit stratégique euh, pour des raisons euh, de défense, pour des raisons militaires, euh, qui a déjà des reliques prestigieuses de Saint-Symphorien, et euh, juste en face, euh, enfin dans un, dans un secteur plus accessible, on vient euh, euh, renforcer en fait hein, le, le, cet, aspect, euh, cet aspect déjà stratégique en créant finalement une une, une petite ville. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut vraiment, à vite, il veut vraiment que ça fonctionne. Hein, donc il va il euh, y a cette invention locale qui valorise en fait la localité, mais pour euh, attirer le chaland quand même, on va faire venir les, les reliques de Saint euh, de Saint -Gené La question de ces églises dans ces castrats euh, elle est importante. Vous l'aurez bien compris. Celui qui est juste en dessous ici, qui est mentionné également par Grégoire de Tours. Alors lui, il n'est pas fouillé. On sait à peu près où il... Enfin, il y a des hypothèses sur sa localisation, mais on sait à peu près où il est. Mais on sait que quand Thierry Ier le prend, ce castrum de Volor également, après avoir avant ou après avoir pris suite de tiers, on a une église aussi avec l'assassinat d'un prêtre, une église qui est dédiée à Saint Maurice. Ah, Saint Maurice, après coup, c'est Diguère de Tours ne nous le dit pas. Donc un autre site fortifié avec une église. Je reviens. Euh, et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu vendredi sur le site de la Couronne, qui lui est un peu plus au nord, donc une de ces installations fortifiées dont on a vu qu'on a donc, un site anonyme lui pour le coup qui n'est pas mentionné avec une grande basilique paléo-chrétienne, Avec, je reviens sur ces installations liturgiques qui sont quand même assez foisonnante, assez importante, qui rappelle ce qu'on va retrouver dans les villes euh, en, en, en définitive. On a vu l'hôtel paléo-chrétien, le ciborium, euh, la barrière de chancelle. Je, je vous repasse les, les, les détails, ça c'est vraiment pour ceux qui n'étaient pas là, euh, pas là euh, vendredi, et une circulation liturgique particulière pour la première phase, qui évoque éventuellement un caractère euh, lié à un pèlerinage particulier, et surtout à partir du VIe siècle, dans une des annexes ici, un de ces fameux baptistères, donc qui fait quoi, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Brioude. Mais c'est pas fini. Plus au sud, ici, alors là, on est dans les confins du territoire également, vous êtes sur le site de Carla, euh, qui, euh, donc on est vraiment dans les, les, les confins du, du, du Cantal, un site dont, qui n'est pas anonyme, lui, en tout cas pour la période carolingienne, c'est le Castrum Cartilatum, qu'on connaît en 839, puisque Louis le Pieux, Vient mater la rébellion, enfin des, des rebelles qui se sont cachés ici, des, des fidèles de Louis II d'Aquitaine, du duc d'Aquitaine qui veut s'émanciper évidemment du, du, du regnum. Euh, donc, 839, ce castrum cartilatum, mais qui a une origine antérieure. Sur ce site, bon déjà on ramage de la céramique du 5e, 6e siècle, à nouveau, sans surprise. Et puis un, un collègue, ami d'ailleurs, qui lui travaille sur les templiers, parce qu'on a une commanderie de templiers sur le château de Carla. Il a voulu fouiller les vestiges de l'église, puisqu'on savait à peu près où elle était. Donc, on avait une occupation du 12e siècle, sauf que notre église du 12e siècle, elle s'implante sur une église mérovingienne, dont le plan est partiel, mais surtout, on a retrouvé ici, alors en limite de fouilles, malheureusement, il y a pas poursuivi ces fouilles, mais une cuve baptismale en pierre. Et puis d'ailleurs, pour faire écho à ce qu'on a vu sur la couronne l'autre fois, si vous regardez l'emplacement topographique de la cuve baptismale de la couronne, on a exactement le même que celui qu'on a à Carla. Donc là, on est à nouveau dans les confins du territoire, un site fortifié, une grande église, un baptistère et une dédicace aussi à saint avite qui n'est pas une dédicace à avite de Vienne, mais probablement à avite de Clermont, soit le premier, soit le deuxième. A l'ailleurs, peu importe. Donc, j'en arrive finalement à ma conclusion, et puis je suis dans, le, dans les temps. Euh, par rapport à tout ce que je vous ai euh, euh, raconté, euh, donc ce territoire de Clermont, il ne dérange pas à la règle, on consolide vraiment ce, 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 cette nouvelle religion et ce, cette nouvelle administration, si je puis dire, hein, en consolidant le rôle du chef-lieu de, de cité avec la cathédrale, la meilleure ecclésia et les lieux saints. Il y a cette, ce gros pôle de pèlerinage qui est, qui est, qui est Brioude, qui forme vraiment une espèce de, de, de polarité, de bipolarité, qui, qui est quasiment affichée, comme je l'ai mis ici. Je l'ai même écrit dans un article, il est sûr qu'à un moment donné, les, les, ça, ça a dû titiller certains d'en faire le siège d'un évêché Brioude. Mais ça n'a jamais été le cas, puisque euh, bah, Clermont était forte, probablement, et a joué sur cette, cette bipolarité. Et puis parallèlement, il y a cette stratégie d'implantation précoce sur les mages du territoire, où là, c'est une implantation véritablement physique, si vous m'avez bien, bien suivi. Donc, avec le rôle, à mon sens, qui est très très important des Castra Castella, qui sont là avant, au 5e siècle, mais que l'on met à profit pour la construction de grandes églises, de grandes basiliques, qui sont très grandes. Hein. J'aurais pu vous mettre aussi ces plans-là, je me suis amusé à, à comparer les plans de, de ces basiliques, enfin de ces églises qu'on a dans les dans les castras et puis les, les, tout, les, puis les oratoires qu'on a en pleine à la même période, on met, on met deux oratoires dans une, basile, dans une de ces églises. Donc il y a quand même déjà quelque chose. Et puis certaines, sinon toutes, mais ça je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas la preuve, euh, ont des installations bastismales, euh, ce qui veut dire quelque chose. Donc ça en fait quand même des, euh, des, des points de, de, de centralité quand même sur ces marges du territoire. Et puis... On avait insisté là-dessus la dernière fois, je l'ai dit en introduction, il y a ces castras s'implantent aussi à la faveur du réseau routier existant, un réseau routier qui de manière générale a aussi été mis à profit en fait par les nouvelles institutions en place, et euh, d'où l'interrogation, si vous avez euh, euh, en tête la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur la, la localisation de la tombe de ce pauvre Ostremoine qui avait été euh, oublié, euh, on l'implante en plein à mi-chemin, vraiment, entre Clermont euh, et Brioude. Donc on pourrait presque croire que c'est une... ça s'impose presque comme une évidence, que c'est une création du 6 siècle, justement, pour renforcer cet axe vière, et puis pour renforcer aussi euh, l'importance de ce pèlerinage et de, cette, de, ce, de ce double pôle que l'on a, euh, qui structure la la, enfin, qui, 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 la... la moelle épinière, si je puis dire, hein, de, ce, de ce diocèse, de ce territoire de, de Clermont des premiers temps. Et puis je m'étais juste amusé, alors là, ça, ça reflète une réalité un tout petit peu plus tardive. J'ai regardé aussi ce que pouvait donner, euh, du point de vue spatial, la répartition euh, des dédicaces, donc les églises, enfin, les églises médiévales, hein, aux premiers saints mérovingiens. Euh, J'ai pris notamment, enfin tous les saints mérovingiens, tardo-antique et mérovingiens. Et quand on regarde, alors ça sort peut-être de mon imagination euh, euh, débordante, mais au moins, ben, pour toutes, hein, vous voyez qu'à chaque fois, la Quintianus que l'on a, a ici, ou, 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 les, ou Galus premier et deuxième, à chaque fois, on les retrouve sur les marges du territoire. saint prigé Saint-Prix également, quasiment tout le temps sur les marges du territoire, tout euh, comme du territoire vécu, j'entends, hein, de la plaine, hein, sur ces marges-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a systématiquement des fondations de cette période-là. Hein. Ces, ces, ces titulatures, elles ont pu être données évidemment plus tardivement, dans le 11e, 12e siècle, mais quand même pour asseoir quelque chose, et puis peut-être pour asseoir aussi l'ancienneté de ces fondations périphériques. Juste une carte que j'ai faite pour moi, pour m'amuser, que, que je vous soumets peut-être à, à réflexion. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. thank you